avec la présidente justement des Eco-Mamans, comme vous pouvez le voir, qu'elle le porte si bien avec son beau t-shirt. Elle soutient donc la présidence de M. Félix Tshisekedi, notre président actuel. Et donc Eco-Mamans, en fait, est une association qui est là pour pouvoir justement aider toutes nos mamans par rapport à leurs droits. Je vais laisser la présidente vous expliquer en détail ce qu'il en est. Donc Eco des Mamans, on est une association de mamans. Voilà. Donc on trouve que les mamans sont délaissées. Comme si on prend la situation qu'on connaît réellement, dans un couple, le papa décède et que la femme reste seule, vous allez voir la belle famille qui va venir, ils vont tout prendre et la maman va rester seule avec les enfants. Et c'est comme ça qu'on voit les enfants chéguer, parce que la maman n'a plus rien et que les enfants se retrouvent dehors, se retrouvent dans les rues. Et nous, on se dit que ça ne doit pas être comme ça. Et que c'est pour ça qu'on aimerait avoir des mamans qui nous représentent au gouvernement. Et ces mamans-là, ils pourront voter des lois en faveur de mamans. Donc notre association, c'est vraiment pour aider les mamans et que la femme congolaise, la maman congolaise, pour que nos mamans puissent avoir la dignité. Donc vraiment pour la dignité des mamans congolaises. Voilà, il est plus que temps que les mamans se lèvent, il est plus que temps que les femmes congolaises se lèvent, et surtout dans la politique, pour pouvoir aider justement toutes ces associations qui œuvrent jusque-là, pour pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'il est vrai, on le sait, en Afrique, la plupart des femmes qui se retrouvent veuves, elles se retrouvent dépouillées de tous les biens du mari. Alors qu'elles ont été épouses de cet homme, elles ont aussi des droits, et elles ne connaissent pas ces droits pour la plupart du temps. Donc là, Eco-Mamans est là pour aider toutes ces mamans justement à prendre conscience de quels sont leurs droits. Nous vous encourageons vivement à visiter leur site, à prendre contact avec eux pour pouvoir les aider justement à promouvoir. Et toutes les personnes qui pourraient aider d'une manière ou d'une autre à pouvoir permettre à Eco-Mamans de rentrer en contact avec justement la présidence du Congo pour pouvoir aider cette œuvre. Nous vous demandons vraiment votre soutien et prenez contact avec la présidente ici présente, Béatrice. Et juste rajouter, on doit arrêter de dire la fête de l'indépendance, c'est la fête nationale. Parce que l'indépendance, on l'a eue il y a longtemps. Là, maintenant, on fête la fête nationale. L'indépendance, c'est encore l'esclavagisme. Non, c'est la fête nationale. Comme les Français, le 14 juillet, ils disent la fête nationale. Les Belges, le 21 juillet, la fête nationale. Les Américains, le 4 juillet, oui, la fête nationale. Et nous, le 30 juin, dorénavant, la fête nationale. Voilà, merci.